qui se trame. Il était où le chemin? Attends, mais je suis super lent, Vilma. Elle m'a dit qu'elle avait besoin que je vienne. Moi, s'il faut se fighter, je suis là. Regardez un peu ce sauveur. Oh, bon, on n'y voit plus rien là. Ok. J'arrive avec toute ma célérité. Ça c'est le cri agressif ça. Attends, attends, mais j'ai deux tensions aussi. Pourquoi tu es parti par là? Tu vois pas que j'allais de l'autre côté moi? Vilma, qu'est-ce que tu fais, wesh? J'ai quand même Bite Force 630, ouais, ça va, ça fait mal quand même. Ouais, en effet, il y a Carnot là. Il y a un Carnot devant nous, je crois. Ouais, je le vois, il est dans l'eau là-bas là. Non mais jamais tu le rattraperas, film. Jamais il osera faire quoi que ce soit. Allez, dégage. Ils peuvent rien contre nous, les Carnot, c'est trop drôle. J'en ai des tanks. On est des tanks, wesh. Celui qui est derrière, il peut rien. Il peut de rien, non. Putain, je voyais pas. Bon, les cris font n'importe quoi, ils font des cris gentils, ils font des cris agressifs, ils se courent après, bon. Ça n'a aucun fucking sens.
J'ai envie de m'en faire un Carnot là. Mais s'il me fonce pas dessus, c'est mort, hein. Genre, je peux rien faire. Allez-y, venez. Regardez ça. Ah mais elle s'est fait mordre. Et ouais, allonge-toi, ouais. Vas-y, je vais pas t'apprendre à... Mais allonge-toi, wesh! Quoi? Je crois qu'elle est en sprint là. Par exemple, ça c'est typiquement un dinosaure, la stam elle sert à rien quoi. Il est tellement lent que tu en es ou tu en es pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils font demi-tour là? La famille qui n'a aucun sens.
Vas-y, ils font quoi là? Ils tournent en rond depuis tout à l'heure. Et lui, il est en haut, l'IA. Qu'est-ce qui se trame? Ok, elle est carnot. Je l'ai touché là. Quand même bleed 3, ah. C'est pas énorme. Vas-y, suivez-moi là, à la place d'aller dans vos endroits pourris là. Alors est-ce qu'il se soigne vite? Oui, ils font les malins, mais... Vas-y, faut trouver de la bouffe là. Il y en a marre de cet endroit pourri. Allez, venez, merde! Eh, moi je vais tracer mon chemin, c'est bon. Hein. On va pas survivre bien longtemps avec cette histoire là. Il y a un buisson là-bas. Je crois.
fait un bordel le truc quand il marche là. Donc kilo. Bon. Et ouais, faut bien sentir au bout d'un moment. À table. À moi le buisson, à moi. Casse-toi Vilma. C'est mon buisson. Bon ça, la bouffe se régène vite quand même. Bah du coup je sais plus du tout où je suis sur la map. Mais bon, c'est pas grave. En fait même la prog a été fausse, attends je viens de capter. Parce que je suis passé full adulte, enfin je suis passé adulte en... Ouais je suis adulte. En moins de 2 heures hein. Ça fait moins de 2 heures que je joue. Je comprends pas. Il fait jour là un peu. Allez, venez. Viendez ma bande. Où va-t-on? Yo, l'accélération. Ouais, tout le monde veut voir la vue. Elle est sérieuse? On en vient de là. Pourquoi tu veux aller dans cette direction? Allez go to Twin Slake. Allez go, on va à Twin Slake maintenant, c'est bon. Il y en a marre. Je suis à combien? Je suis à 700. Eh par contre là ça grandit doucement quand même. En vrai là c'est ouais, c'est plutôt 1 heure de JV et 3 heures pour devenir full adulte je pense. En fait le wiki les gars il est pas forcément bon, c'est ça qu'il faut se dire, il y a des conneries écrites dessus quoi. Comme pour le T-Rex, c'est pas 180 minutes pour passer de sub à adulte, hein, c'est 220. Et là c'est pareil, je chronomètre à côté. C'est pas 2 heures pour passer de JV à adulte, c'est 1 heure, à peu près 1h10 dans ces eaux là. Et pour devenir full adulte, bah je sais pas, on verra bien, mais ça me paraît long. Là.
Putain, ça fait 10 ans qu'on marche, toujours pas bougé quoi. Quoi que ça nous dit? Ah. Ok, d'accord, très bien. Elle se déconnecte. C'est super ça. Ah bah vas-y hein. Bah ciao. Ciao Vilma. Bon, ça aurait pas été le meilleur gameplay qu'elle nous a proposé. Hein. On va faire des allers-retours à droite à gauche et puis se déconnecter à la fin. On va continuer notre aventure avec ce Rex, avec qui on est depuis quand même assez longtemps, mine de rien. Ça fait quasiment 2 heures que je joue avec lui. Non, un peu moins de 2 heures, ça fait 1 heure et demie que je joue avec lui. Mine de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu me rates de travers. Où est l'antenne? Bah, je sais pas moi où est l'antenne. Je suis autant perdu que toi là, je sais plus où on est. Bon. Vas-y, go avancer, pose pas de questions comme ça. Mais en vrai, voilà, je sais pas gros. En vrai, ouais, je pense que je vais l'abandonner. Hein. Je pense que je vais l'abandonner sur X. Il va aller à Twins Lake tout seul, il va pas comprendre. pourquoi il crie là? C'est bon, rate-toi. Il nous fait repérer. Il va aller à Twins Lake tout seul, il va pas comprendre, il a pas l'air de connaître. Il va se retrouver dans une espèce de bordel absolu à Twins Lake. 100% il meurt s'il y va tout seul, mais moi je vais l'abandonner là. En vrai, on va essayer de faire autre chose là. On va essayer de faire autre chose. Parce que suivre un Rex c'est pas ouf. Surtout que si je vais à Twins Lake maintenant, bah, je suis carrément pas full adulte, donc... Donc ça va barder pour moi, et de avoir 1 milliard de Rex à Twins Lake. Et le Rex c'est pas bon hein. Le Rex c'est pas bon pour l'Anki. Vas-y. Gentil. Juste je dis ça, t'es sérieux? Gentil Rexune. Joue pas au con avec moi. Bah du coup ce que je suis en train de dire les gars, le problème du Rex... Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quelque chose? Je sais pas. L'autre il a peur, il a pas peur, il veut se faire pote. Le problème du Rex en fait contre l'Anki c'est qu'il casse la jambe le Rex. Du coup il a juste nous cassé la jambe et après on peut plus faire le alt turn là. Et de toute façon il nous éclate genre 20 le Rex, c'est vraiment le pire truc contre l'Ankylosaur. Vas-y rends pas fou mec. Rends pas fou. Ok il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je vois pas ce qu'il nous dit. Y'a l'autre qui est pas forcément rassuré j'ai l'impression. Vas-y, casse-toi, lâchez-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Il parle pas en fait. Ah mais ils doivent parler en local. Ils parlent en local. C'est pour ça. Ok, je comprends. Peut-être qu'ils sont en train de comploter contre moi. Peut-être que l'autre il me défend, je sais pas. Le gros il a dû dire vas-y viens le bouffe, l'autre il a dû dire non il est gentil. Je sais pas, j'espère. De connexion, hein, je crois que c'est le moment. Hein. Donc il parle. Vas-y. À quoi vous jouez les deux là? Ok, ça a l'air de bien se passer. Peut-être pas déconnexion. Ah, et là, c'est un moment qu'on n'aime pas trop. Hein. Ouais du coup bon les Rex se sont cassés, j'ai prié pour que ça se passe bien et regardez ça, au plus grand des hasards, le plus grand des hasards, regardez qui voici qui voilà. Ilum qui est devenu ankylosaur sur Azura. Ok bon bah le but ça va être de le rejoindre. Alors on va faire un demi-tour pas risqué. Voilà.
Let's go. Eh ben il pleut, très bien. C'est plutôt pas mal hein. Plutôt pas mal. Bon les Rex ils m'ont mis quand même une grosse pression. Hein. Mais ça va. Là ça crie à droite. Je sais pas trop ce que c'est ce cri. Bref. Bon on va rejoindre Ilum en vocal quand même. Salut Ilum. Salut salut. Salut. Ilum est dans la merde. Donc on va essayer d'aller l'aider, il est entouré de raptors. T'as combien de bite force et t'as combien de pourcents là? Alors la merde, que je suis une grosse merde, j'ai que 21 de bite force, je suis à 77% de JV. Ouais, ouais. Alors tu vas voir, hein. Moi je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis descendu à 0 de bite force. Ah bon? Ouais, genre en gros ta bite force au début, ouais, elle diminue, je sais pas pourquoi. Mais ouais, parce que là il y a 2 secondes avant que je regarde, j'étais à 10, là je suis à 21. Ah tiens, donc du coup tu as passé le cap où ça diminue, ça recommence à augmenter. Ouais. En fait tu commences à 180 et tu arrives à 0 et après tu réaugmentes. Ah ouais. Ouais c'est bizarre hein. D'accord. Je sais pas, je comprends pas. Faut pas se faire attaquer pendant que t'es à 0 là. Bah je sais pas si les valeurs affichées sont réelles ou si c'est un bug en fait. Ouais je sais pas. Si elles sont réelles c'est vénère quoi, 0 de bite force. C'est sûr. Alors, moi je suis à 874 de bite force. Donc ça va. Bon par contre, attends je vais essayer de checker mes coordonnées du coup, pour savoir si tu es loin. D'accord, bon je suis un peu loin là. Ouais je vois ça. Oh. Toi t'es vers les Twins un peu. Moi je suis vers je sais pas trop. Ouais y a des trucs qui gueulent à côté de moi. Ouais t'as l'air d'être vers les Twins en vrai. Ouais non je suis un peu loin des Twins, je suis vers West Swamp là. À peu près. Ah ouais c'est pas si loin. Non non c'est pas si loin mais avec l'Anki ça fait ouais. Ça fait long quand même. Surtout que là il y a des trucs qui gueulent à côté de moi, c'est... je sais pas ce que c'est. Tu cours à combien là? 19. Non c'est vrai? Ouais. Moi je cours plus vite que toi. Ouais bah ouais. Et surtout ta stam elle se recharge super vite en comparaison à la mienne. Ouais. Elle se recharge en marchant? Ouais elle se recharge en marchant ouais. Et il a la phase de sauve ou quoi? Non, non, t'es direct adulte. Mais c'est quand même considéré comme un apex apparemment. Ah ouais? Ouais. Enfin je sais pas, en tout cas sur le serveur Le Monde Perdu, il est considéré comme apex. Il me semble. Oh y a des allosaures face à moi. Deux allosaures. Oh là. Meurs pas hein. Vu. Bah je vais essayer Oh bah ouais je suis à 5m2 là. Ouais. Ils vont te tenter. Je sais pas. Pas trop ce qu'ils foutent. Putain moi je vais crever de faim là. Je sais pas trop ce qu'ils... Moi, tu peux pas te faire ice riding avec l'ankylo. Ah non, impossible. Et avec le altern là, le truc pour tourner, c'est plutôt pratique avec l'ankylo. Ah, mais on peut tourner sur nous-mêmes là. Ouais, c'est le gros problème du serveur. Ah, mais ouais, c'est trop fort. L'ankylosaur, je pense, c'est super fort. Hein. Prendre les allosaures là. Mais les dinos à 4 pattes, je trouve que c'est. C'est moins évident à faire. Je crois qu'ils vont m'attaquer. Hein. Ah ouais. Ouais. Vas-y, déboîte-les. Hein. Commence à m'entourer. Parce que tu fais quand même 800 de vie de force, tu m'as dit. Ouais. Ouais, tu peux les déboîter, je pense. En plus, tu dois peser bien lourd là, je pense que t'es bien tenté. Même avec le altern, c'est chaud en fait, avec l'ankylosaure. Mais ouais, c'est ce que je disais, les dinos à 4 pattes, j'ai l'impression que c'est plus dur à faire. Tourner que les dinos à deux pattes. Me fait attaquer. Je gère trop mal mes touches, c'est incroyable. Ah merde, putain, faut pas que tu crèves. Tu viens à peine de commencer quoi. J'arrive pas en fait avec le. Ah, j'en ai tué un. Ah ouais, déjà? Ouais. En même temps, ça fait mal. Et l'autre il continue du coup, j'imagine. Ouais, j'ai l'impression. Ah bah oui. Ah
Bah, j'espère qu'une fois que la pluie sera finie, je pourrai de nouveau sentir parce que je sais pas comment je vais faire là. Il me dit ouais on veut pas t'attaquer. Ah bon? Mais le mec il, les mecs ils m'ont mis 10 crocs quoi. Ils t'ont dit qu'ils voulaient pas t'attaquer? Ouais. Mais pourquoi ils te mettent des crocs alors? Bah je sais pas. Ouais. J'en sais rien. Tu les as peut-être provoqués hein. Non en vrai. Te connaissant, je pense que. T'en serais capable. Combien? J'ai 21 bleed. Tu l'as touché l'autre? Moi j'en ai tué un et l'autre il a bouffé son pote. Attends, je me casse. En vrai là j'y suis allé au bluff un peu parce que je l'ai attaqué genre pour vraiment faire en sorte qu'il vienne plus. Mais je suis full dans la merde. Ah mais c'est toi qui les a attaqués des coups. J'ai attaqué le deuxième pour pas qu'il me réattaque tu vois. Ah d'accord. Donc c'est eux qui ont lancé l'attaque. Ah ouais ils m'ont carrément lancé l'attaque quoi. Ouais. J'avais dit ouais Anki on veut pas te blesser. Mais ils m'ont quand même attaqué avant de me dire ça quoi. D'accord. En okay. Fait ils ont vu qu'ils prenaient cher et ils se sont dit ok on arrête. Ah bah j'en ai tué un. Mais c'est chaud, l'alterne est très chaud parce que il tombe vraiment, même en alterne il tombe comme une merde. Bah ouais, il tombe comme une merde et puis il s'arrête. Ouais. Tandis que les dinos. Ah, remarque, après si tu gères bien, je pense que. Puis en plus, quand tu fais alterne, tu sais plus dans quel sens est ta caméra, tu sais, c'est inversé. Et du coup, pour faire clic droit, clic gauche pour la queue qui tape à droite ou à gauche, ça perturbe ton cerveau un peu. Ouais, mais en fait, faut s'entraîner parce que j'ai réussi à faire plusieurs tours sans avoir d'arrêt. Mais si tu gères bien, je pense que tu peux y arriver. Ah ouais, non, clairement. Ouais. Mais bon, c'est compliqué. Contre les allosaures, tout comme ça passe, mais contre un Rex, c'est mort. Hein. Ouais, il te fonce dedans, il te casse la jambe, c'est fini quoi. Ah bah oui. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que je disais hier, je crois. Les Rex, ils sont carrément avantagés quand il y a le pattern parce que. Eux ils peuvent casser la patte à tout le monde tandis que toi tu peux pas leur casser, du coup ils peuvent continuer le halt et toi non. Bon bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 2. Dans l'épisode 3 on essaiera de rejoindre Ilum, espérant qu'il reste en vie. Et puis après on verra bien ce qui se passera les gars. Allez ciao guys.